aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris, on est au David Crockett Ranch, en famille. Et on a fait un Disney Boon familial, donc moi je suis en Donald, Kevin en Mickey, ma filleule sera en Mini, c'est sa toute première fois à Disneyland. Ma maman en Daisy, mon papa en Figaro, mon frère en Dingo et ma belle-sœur en Pluto. Donc là on a récupéré les Magic Pass de tout le monde et on se retrouve au parc. Montre-nous ces magnifiques bijoux. On veut des armes comme la roupie. C'est des armes qu'il nous faut. La ferme, ou la roupie. Tu connais cette chanson au perroquet? Chante avec nous, s'il vous plaît. Midi, on mange au Fuente del Oro. Les burritos qui sont super bons, que ce soit en vegan ou en normal, on vous les conseille. Je ne serais pas déçu, franchement ils sont copieux et super bons. Alors, Sven, no carrots. But Christophe, you promised. I know, buddy. But let's say Oaken is not the easiest one when it comes to negotiating, and I come up short. I'll make it up to you. I promise. Reindeers are better than people. Sven, don't you think that's true? Yeah, people will beat you and curse you and cheat you. Every one of them's bad except you. Aw, thanks, buddy. Oh, let the frostbite bite. Good night, buddy. De rien. Quant à toi, je te connais par cœur. Tu as oublié. Forget about what? What are you talking about? Oh, il a oublié. L'invitation royale, c'est aujourd'hui. Ma sœur nous a ouvert les portes de son palais de glace. Tout Arendelle est invité. Hello. Oh yes, sorry, I totally forgot about the celebration in the Ice Palace. What is it about again? T'aurais pas un peu de neige entre les deux oreilles? Elsa, ce qu'elle a vécu. La neige, l'hiver, tout ça quoi. You mean when she went away? Voilà. Oh, of course I remember, but does it have to be so early? Oh, j'ai eu une idée géniale. J'ai envie de lui faire une surprise. We made it. Christophe, mets Sven à l'abri. Même si c'est dans le thème, ça serait dommage. Waouh, que c'est beau! J'oublie à chaque fois comme ce palais est magnifique. Everything looks so gorgeous. Tout le monde est là? Is everybody here? Oh, j'adore tes gros câlins, Olaf, mais là, tu nous as vraiment
surpris. Listen up, Mr. Snowball. Next time I will feed Sven that nose of yours. Before or after you give me a warm hug? Oh, you know what's cute, Olaf? For a snowman, you sure do like warm things. Yeah, like summer. Oui, Olaf, on sait tous que tu adores l'été, le soleil, la chaleur. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va bronzer. On va faire quelque chose qui me rend très heureuse. Me too, that makes me so happy. But I don't know why. Dear people of Arendelle, thank you for joining me today. I'm so happy to share both the ice palace and something important I've learned. Quand j'étais plus jeune, je pensais que mes pouvoirs étaient une malédiction, mais j'avais tort. People are often scared of what they don't know, and because of that... Being different can make you feel like you don't belong. Yes, je suis fière de ce que tu es devenue. Nous le sommes tous. Tes pouvoirs ne sont pas une malédiction. Ce qui fait ta différence fait aussi ta force. C'est vrai. Et aujourd'hui, je me sens enfin libérée. Libérée, délivrée, les étoiles me tendent les bras. Libérée, délivrée, non, je ne pleure pas. Oh, Sorcerer, I'm so excited! Mon pouvoir vient du ciel et envahit l'espace. Mon âme s'exprime en dessinant et sculptant dans la glace. Il est tombé, délivré, plus de princesse à faire. L'amour est un gâteau. Elsa. Je l'ai. À moi. Dites adieu. Dites adieu aux douleurs du passé. Ce qui nous attend est bientôt là où l'on est là. Notre résidence pour cette nuit. On a MacGyver qui a allumé le barbecue avec un grille-pain. On a coupé le feu. On a le gros 80. Il a fait un fumigène. C'est bon de jouer. Ah, justement, ça va bien avec le range. Allez. Pour le calumet de la paix. Si tu veux, moi je commence. Vas-y. Sachez quoi, c'est qui trouve qui a le droit de faire une musique. 14 juillet. Hello, deuxième jour. Aujourd'hui, Walt Disney Studios et Avengers Campus. Nathan, les retardataires, on essaie de faire quelques trucs pendant les EMH. Et ce sera parti pour la découverte. Hein. Kevin a pu entrer il y a 15 minutes, 30 minutes même. Il a déjà fait Spider-Man, il m'a laissé seul avec la caméra. Donc voilà. C'est parti pour entrer dans le Land et le découvrir.
J'ai trop trop hâte. Génial. Il est parti, Spidey. J'imagine que la vue est cool. Nickel. Allez voir de temps en temps le portail galactique là-bas. Il y a toujours des Avengers qui se battent. Du coup, vas-y, donne ton avis sur Spider-Man. Yeah. Toi aussi, t'es fan de Captain Marvel. C'est dingue. C'est dingue. Ah oh, bon, on va y aller direct, j'ai trop hâte, là. J'ai jamais fait un truc trop partout. Je suis sûr qu'il va y avoir super. Ah, mais c'est trop énorme, c'est quoi. La scène d'introduction, elle est géniale. Oh là là, c'est trop cool. Le Pinjas, il est génial. Bon, ben, c'est parti, hein. Go. Bonjour, bienvenue Porte Verte. 5 minutes. Bonjour. Merci. Bonjour, bienvenue Porte Verte. Ouais. Trop bien, trop bien, trop bien. Ah, déjà la musique, je suis dans l'ambiance. Qui veille sur la bonne marche de cet établissement. Welcome to Web. I'm Sharon, the artificial intelligence that keeps this place running smoothly. Thanks to funding from Tony Stark, the brilliant young minds here are creating cutting-edge tech. So today, you can see webs like Spider-Man. And our host today has created his own real-time translation device to help you better enjoy the presentation. We hope you all have a great time on your visit to the Worldwide Engineering Brigade Open House. Nous vous souhaitons une excellente visite durant cette journée portes ouvertes de la Web Engineering Brigade. On voit qu'on est trop contents ou quoi? Chef de projet, Peter Parker! Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici, chez Web, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules de BIM et StarTech. Ça nous permet de développer des trucs incroyables, comme... ces petits speedboats, par exemple. Regardez, c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout seuls. Se dupliquer tout seuls? Parce qu'ils sont pas croyables. Petit, arrête de faire ça, c'est bon. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester le nouveau véhicule Singer. Grâce à son professeur, vous lancerez vos propres toiles d'araignée, comme mon pote Spider-Man. Peter, ta présentation est en train de t'échapper. Oui, j'ai remarqué ça, chérine, et je te serai reconnaissant de lancer immédiatement les protocoles. Peter, il y a un petit problème. Bon, enfin, si vous voulez lancer une toile, c'est simple comme bonjour. Vous tendez juste les bras dans la direction que vous voulez, et le tour est joué, c'est cool. Peter, si Spider-Man continue de se répliquer et dévore tout ce qu'il trouve sur leur passage. Ils ont l'air bloqués en mode auto-réplication. Tu pourrais essayer de gérer ça à ta place? Très bien. Je contacte Monsieur Stark. N'appelle pas Monsieur Stark! N'appelle pas Monsieur Stark, j'aurais pas dû crier. Est-ce que tu pourrais appeler une autre personne? Oh, ok. Je contacte Spider-Man. C'est bizarre. Je vais appeler Spider-Man à la rescousse parce que je crois qu'il est dans les parages. Ok, au revoir. Spider-Man? As you may have noticed, the spiders are multiplying and consuming everything in sight. Unless Spider-Man can stop them, they will destroy the entire Avengers campus. Malgré ce que vous voyez là, les spider-bots ont été créés pour être des assistants robotiques, mais ils dévorent actuellement tout ce qu'ils rencontrent et se multiplient. Alors, si rien n'est fait, ils vont finir par anéantir le campus des Avengers. Mais bon, attendons de voir, rien n'est perdu.
Bon, nous devrions être sécurité juste à l'arrivée des Spider-Man tant qu'il ne plonge pas dans le fluide extraterrestre. The Spider-Man sans casque. Ah, Spider-Man, now! J'active les protocoles de niveau 2. Salut, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème d'arachide? Je vais vous aider. Tu vois, super. Le risque est atteint le niveau danger exponentiel. Tu as peut-être besoin d'aide. Et si j'appelle les Avengers? Pas de panique, les amis. Je vais régler ça. Ok, la journée porte ouverte est annulée. Are you okay? Et je crois que j'ai besoin d'aide. C'est moi pour pitié. Chérine, prépare les véhicules Slinger. C'est comme si c'était fait. Allez tous vers les Slinger et on fera équipe pour empêcher les Spider-Boats de détruire le campus. Un jeu d'enfant. Ok, we have a plan. Head to the Slinger vehicles and we'll team up to lay webs and stop the Spider-Boats before they destroy the Avengers campus. We need your help. There's no time to lose. Something happened. We have to say something to Ah, t'as vu Marc Hamel, Cash Hamel? Oui, j'ai vu. Ze réfléchir, ils disent ça, dan stop. En dan zijn ze ontsnapt en beginnen zich verder. Impossible de savoir ce que vont faire ces bots. Alors soyez prudents et restez assis dans le véhicule Slinger avec les mains, bras, pieds et jambes à l'intérieur de l'habitacle à tout instant. Et merci de surveiller vos enfants. There's no telling what those bots will do next. Asseyez-vous et mettez-vous en ciblage web vision. Nous avons des Spider-Boats employés. You know the drill. Watch your step as you enter into the vehicle. Take a seat and put on the web vision glasses. Then help you find all those Spider-Boats employees. You know the drill. Watch your step as you enter into the vehicle. Take a seat and put on the web vision targeting glasses. They'll help you find all those rampant spider bots. Vous avez sauvé le monde! Right! Woo! Downgrading capability! Il faut le dire tout! Je crois que tu en as suffisamment appris pour le Spider-Man. Tu apprécies un Spider-Man. Tu as vraiment résolu le problème. Oui, mais je n'aurais jamais réussi sans toi. C'était aussi ton c'est idée. Trop énorme! Fatigant. Oui, c'est fatigant, c'est vrai. Mais c'est trop bien. Soit stratégique en fait, selon ce que tu tires dans les. J'adore les lunettes. Du vibranium, mais vous, quel est votre vibranium à vous? What is the part of you that is indestructible? Réfléchissez à cela. Tel le soleil, c'est en vous que brille votre force et votre courage. Et si le soleil jaillit naturellement chaque matin de derrière l'océan, vous seul êtes les garants de l'aube de votre force et de votre courage. On va aller. Bonjour. Bonjour et très bienvenue. Bonjour, merci. Sinon voilà, Marc, c'est ma vie, à tout. On va tenter Flight Force. Clairement,
si vous aimez Marvel et les Avengers, ce Land, c'est une tuerie, il est trop génial. Là, ça a quand même fait en sorte de... On a craqué juste un tout petit peu. Ça a vraiment émergé dans l'ombre, quand même. D'attente, c'est magnifique. Friday. It's Danvers. I've got an update on the warheads. Get me Tony. Stand by for Mr. Star. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis occupé. Am I annoying you? Just trying to save Earth. Pour tout vous dire, ce qui me chiffonne, c'est surtout la ruée de missiles extraterrestres en approche. Tony, I'm closing in on the warheads. Did you get the data I sent? Les données des missiles sont en cours d'analyse. Quand Friday les aura décodées, je mettrai au point les contre-mesures. Well, you work on that countermeasure. I have my own way of dealing with these things. Ah, pas si vite. Gardez les feux d'artifice pour plus tard. Si jamais vous n'arrivez pas à temps, j'improviserai. I don't know how much you can do against a Kree warhead all by yourself. Un missile Kree n'a aucune chance contre moi. Wow, Stark. Your ego is so big, I can see you from space. Occupez-vous des missiles au lieu de mon ego. Thanks. I can multitask. Elle est forte, je dis pas le contraire, mais si elle rattrape pas ses missiles à temps, il nous faudra un plan B. Tu es prêt pour l'animatronique Iron Man? Non, ça fait. On a du pain sur la planche. Putain, il est quoi? Allez, continue. Purge et rallume l'unité centrale et les générateurs auxiliaires. Ok, draining main for unit. Wow, 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 je t'ai dit de les rallumer aussi. Energizing. Ah, c'est mieux. Allez, on avance. Occupez toutes les places disponibles. On n'a plus beaucoup de temps. Analyse des panneaux escamotables. Retractable panels analyzed. Recalibrage des sous-systèmes. Subsystems recalibrated. Maintenant, balance la source dans mes répulseurs. Repulsors augmented. Consider your hands juiced. Ça m'a l'air parfait, Friday. Thank you. So glad you approve. Appelle Carol. Contacting Captain Marvel. Are you ready? Si je suis prêt, c'est à moi ou à eux de vous parler? We've got a situation. As you know, Kree warheads are headed our way, and we need your help. Ne vous inquiétez pas. J'ai créé un transpondeur qui va tromper le système de guidage des missiles et faire en sorte d'être pris pour cible. Ces transpondeurs sont chargés dans les véhicules hypersoniques de la Flight Force. Votre mission? Piloter ces véhicules et détourner les missiles de la Terre. Right. You'll be joining us on the mission. Tony's built a transponder that the missile's targeting system will lock onto. He's loaded the transponders into his hypersonic vehicles. So you'll fly the hypersonics and draw the missiles away from the planet. That's when Heavy Metal and I can do our thing. Quand vous aurez attiré les missiles hors de portée, Danvers et moi, on les pulvérisera. Ils sont vraiment proches de la Terre, on n'a pas le droit à l'erreur. Unfortunately, Tony's right. We've got one chance to save the planet. So no pressure. Tout le monde a compris le plan? Alors ne traînez pas. En avant. Allez, sauvez le monde. You'll need to continue on for your safety briefing. Vous avez entendu votre briefing de sécurité. Si vous êtes vous enfants dans la ville glaciale interstellaire, veuillez les surveiller. Remember, recruits, we're all counting on you. These ballistic warheads need to be stopped. Our Avengers have complete confidence in your abilities to lead the projectiles away from the planet so they can demolish them. If this works as Mr. Stark envisions it, you will all save the world.
c'est toujours la même, hein, ça on le savait. À part un petit peu Iron Man et Captain Marvel sur les écrans, bon, c'est très très noir. Il y a même moins de trucs. Mais ouais, il y a même moins de trucs. Mais bon, la file d'attente, rien que pour ça, ça vaut le coup, quoi. La file d'attente, elle est géniale. Ouais. Là, on va le faire. Je referais bien Spider-Man, moi, pas toi? Bon, tu l'as déjà fait deux fois. Oui, j'ai des courbatures d'un ou l'autre. Oh, mais trop bien! Thank you.
coup, ça y est pour nous. Hein. On a rendez-vous au Captain Jack, alors qu'on va aller manger là. Mais bon, on a pu faire tout ce qu'on voulait, ouais, franchement. Ça donne faim de sauver le monde. Ça donne faim de sauver le monde. On reviendra de toute manière après Walt Disney World. Et on va prendre un peu plus de temps pour faire le Hero Training Center qu'on n'a pas eu le temps de faire là du coup aujourd'hui. Mais franchement, trop bien quoi. On est trop content d'avoir pu le tester au moins une fois avant de revenir. On se retrouve au restaurant du coup. Cocktail, cocktail de bienvenue. Chin. Custom au rhum. Oh bah, chin à moi. Hein. Chin à moi. Chin. Pour l'entrée, c'est le quinoa pour moi. Ah ouais. J'avais déjà mangé, il était super bon. Hein. Et toi, t'as pris le. C'est quoi au poulet? Non, mais c'est un. Bref, on sait que c'est bon, on l'a déjà mangé. Mais du coup, c'était une vraie vanille, moi. Moi, j'étais prêt à l'ouvrir. Ça plaît à nos noces. Il y a une gousse de vanille en chocolat. Tu veux quoi, 500? Non, mais le monsieur. Oh la déception. Ah, on va tout faire avec les miens. Voilà, coucou. C'était top, on s'est trop éclaté en famille et forcément au ranch, c'était excellent. Et le campus, magnifique. On vous fait de gros bisous. Kevin est là-bas, je pense qu'il est trop crevé, il parlera plus. Déjà qu'il parle pas beaucoup. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.